Avec les derniers temps du warm-up, l'ultime étape avant le départ du Grand Prix s'achève. N'oubliez pas de nous retrouver dans quelques heures pour vivre ensemble le lancement officiel d'une nouvelle journée de course. Ici Rémi Tissier, je vous souhaite la bienvenue à Brno pour la 11e manche du championnat du monde de Moto 3. Vous allez assister en direct au Grand Prix de République Tchèque. Le ciel est plutôt dégagé au-dessus du circuit pour le moment, mais la piste reste humide et les pilotes vont certainement devoir utiliser des pneus pluie. Ouais, donc voilà, on est de retour pour la course. Comme warm-up. La piste est humide, donc je sais pas si on devra changer de pneus si la piste sèche, je sais pas. J'ai aucune expérience sur ça, en tout cas dans ce jeu, donc je sais pas comment ça va se passer. Donc on verra bien. Bon, en tout cas, on va partir pour la course. Course du championnat et je suis en tête et ça c'est cool, quand même une seconde de différence quand même entre le premier et deuxième, ce qui est assez énorme. Enfin, 218 000 spectateurs, oh la vache, chaud. Ah, 19 tours, ok, il n'y a que 19 tours, ça va, ça doit être longtemps. J'ai mis les tours complets, hein. Ah, j'ai raté le départ. Putain, je me... Ah, c'est pas possible. Je me croyais en Formule 1, là. Putain, chier. C'est pas grave. Ouais, j'ai perdu 10 places, super. Ça commence bien, mais bon, je vais rattraper. On va essayer, en tout cas. Super, ça me fait un défi. Masbou, heureusement que je vais freiner, parce que sinon, je vais prendre son nom. Ah, Nika, 5ème. Oh. Il a gagné des places, Nika, par contre. Je la trouve plus... Elle a l'air plus humide que tout à l'heure, la piste, c'est bizarre. Ouh, c'était chaud ça. Oh! Oh shit! Oh, j'ai fait un binder. Oh merde. Oh. Voilà le premier accident. Désolé Binder, si tu m'entends. Hein. Toutes mes condoléances. Je sais pas c'est qui a fait la faute là, mais bon, c'est pas grave en soi. Ouais, c'est un peu chaotique ce début de course. Hein. Complètement chaotique. J'ai oublié que les motos 3 c'est serré quand même. Le voilà, ils sont tous ensemble.
prend ça à peu près 2 minutes par tour. Donc ouais, ça a duré un peu 40 minutes. Par contre, il faudrait peut-être que je me réveille un peu là, parce que là, je suis en train de perdre des places à chaque fois. C'est un peu de la merde. Je suis 12ème, putain. J'essaie de moins de parler et de me concentrer un peu plus. Salut Alex, comment ça va? Un bel arc avec le virage, hein. Un beau dépassement en même temps. Je vois, je reviens. C'est un peu difficile, hein, mais c'est pas grave. Ah ouais, je reviens. Tamadou, la période dépasse en 8ème quand même. Il y a de la bagarre, hein. Il y a de la bagarre. C'est serré là. Je fais tâche avec ma Mahindra là. Tous des 4e ou des Honda. Ça va, tranquille. Un départ un peu compliqué là, mais sinon ça va. Elle va donner des places. Ah, c'est. Il y a une grosse lutte là entre. Enfin, Nika, Matou et l'autre derrière moi, je crois que c'était Antonelli, je crois. Ça, c'était chaud. Ah, j'adore ces. C'est baston, on a bien collé et tout. C'est comme MotoGP qu'on peut voir ça. Alors, en moto. Parce que là, on n'est pas en MotoGP, on est en Moto 3. C'est pareil. Ça, je remonte au 6ème. Je me suis mis entre les deux là. Putain, il y a une lutte pour les. Enfin, les trois premiers se luttent là, pour la première place. Putain, que j'arrive pas à me blinder. Ah oui, non, ouais, je gère. Je gère.
Surtout que j'essaye de rester fair play, tu vois, j'essaye de pas trop toucher les PNJ. Même si tout à l'heure j'en ai fait tomber un. Mais bon, je regarde après la course et qui a fait l'erreur parce que. Il y en a un qui va percuter les tombées du coup. J'essaye de faire des beaux dépassements et tout. Enfin, on essaie de faire le bois. Hein. Sinon je pense que j'arriverai à être facilement devant si je ferais le bourrin, mais le problème c'est qu'il y aurait des dégâts à mon avis. Ouh Vasquez là, oh là là. Ah il me provoque Vasquez. Seconde 3 d'Olivera, pas une seconde 4. Ah les motos 3, c'est hallucinant comment c'est équilibré quand on voit les pilotes sont presque tous ensemble. Bon, il y a quand même des. Il y a quand même des genres de clans qui se forment, on voit sur la carte, mais. En MotoGP ça sera encore plus. Allez, pour la troisième place, petit dépassement sur Oliveira, ce serait bien. Oh là là là, le tout droit. Ah, le tout droit. Fais chier. Vite, 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 vite. Pourquoi je perds trop de temps? Putain, j'ai perdu trop de temps là. Ah, ça va. J'ai freiné trop tard. Il y a le temps, on est plus au cinquième tour. Il y a largement le temps de revenir. Faut juste éviter ce genre d'erreur. Ah, je traînais trop tard, je suis bourrin. Ceux qui. C'est un peu humide donc il va falloir que je fasse gaffe. Éviter de freiner trop tard. Mais bon, à l'heure actuelle, je suis 6ème pour mon écurie, c'est exceptionnel déjà. Bon, moi je veux gagner, mais bon. Mon écurie, c'est incroyable déjà que je sois là. Quel sport de merde, j'ai perdu de la vitesse. Oh, ce dépassement magnifique. Vasquez et Navarro, oh là là. Ils sont chauds là. Ils disputent la cinquième place. Je vais me faire doubler là, à la ligne droite, je vais me faire doubler. Je manque de vitesse. Ah oui. Ah pas que non, même pas en fait. Ça va. Il a abandonné Navarro parce que il est chaud. Ouais. Ah oh, Vasquez, il est chaud Vasquez. Je sais pas ce qu'il a mais il est chaud. Je vais l'emmener avec moi vers les premières places.
Quartararo est toujours premier, Kent est deuxième. Tant Kent, c'était lui qui faisait quasiment les meilleurs temps à chaque fois. Enfin, derrière moi, quoi. Je suis de retour, Olivera. C'est un truc de fou, le premier deuxième, comment il se bagarre, un truc de malade. T'inquiète, j'arrive. Ouh, la glissade! Ouh, j'ai glissé là. J'ai pris trop le vibreur, du coup, en accélérant. Salut Mathis, ça va, tranquille et toi? La moto elle commence à glisser un peu. Ça qui est bon. Bagarre pour 4ème place, mais pour l'instant je pense que Vasquez je lui mets un petit vent, en tout cas j'espère. Ouais, ça va, il a un peu abandonné là. Faut que je rattrape premier deuxième là, il commence à prendre trop de secondes d'avance. Oh, c'était beau ça, c'était magnifique. Ah, l'enfoiré, ça aussi c'est beau. Ah, maintenant ça va être baston pour la troisième place. Je suis reparti trop dans l'intérieur direct, mais ça va, il n'y a pas eu de dégâts, c'est principal. Ah, c'est bon, parce qu'ils l'ont abandonné là-haut derrière, je l'ai vu là. Je crois qu'il restera en 5ème place. Ça va être dur de rattraper le premier et deuxième quand même, voilà, il va falloir faire des sans faute et rouler assez vite. Ah, je crois que j'ai jamais été aussi près d'eux. Hein. Ah, Kent, il est premier. Ouh là là, vache. Elle a bougé la moto là.
Ah, j'ai l'avantage dans les virages de toute façon, c'est super. Ah, il faut que je savoure, faut que j'essaye d'être premier parce qu'après je mets le tri en difficulté normale et je pense qu'avec la moto là, j'arriverai pas à être premier. C'est peut-être ma seule chance d'être premier. Je pense pas que j'ai pas la moto pour être premier en fait. En mode normal, ça va être chaud. C'est ça qui est bon. Même si là je galère déjà un petit peu quand même. Là, je pense que l'erreur du début plus le tout droit tout à l'heure, hein, ça joue aussi beaucoup. Sur le fait que je sois pas premier. Sinon, je pense que si j'aurais pas fait d'erreur, je serais premier déjà. On est quasiment, on est presque à la moitié de la course. Ouais, on peut dire qu'on est à la moitié de la course. On lui verra, il a lâché l'affaire. Maintenant, c'est le premier, deuxième. Je m'occupe de. En mode Valentino! Ouh, il glisse, Kent! Oh, je l'ai vu glisser là. C'était magnifique. Et boum! Allez, hop là! J'ai fait un coup double. Ouais, maintenant il faut le garder la première place. Ça va être une petite histoire. C'était chaud là. Ken, c'est le coéquipier de Vasquez en plus. Ça a l'air d'être des pilotes agressifs, non? Oh, putain, sa machine elle marche par contre. Vache. En ligne droite, elle marche vraiment bien. De leur mettre avant. Ah, dès que j'aurai mis 2 secondes, après ça sera bon. Pas de problème avec. Ah, c'est bon. Ah, ça commence à être bon.
Le corps du circuit de 13. Ah oui, pas mal. On fire. Secondes c'est parfait, là c'est bon, là j'ai plus qu'à faire une course parfaite et c'est bon, je finirai tout seul la course, pépère, au calme. De 12 862, ouais, j'ai battu le record je crois encore. Ah oui, j'ai encore battu le record de la course. D'ailleurs je crois que ça commence à être moins humide là. C'est de moins en moins humide là, la piste. Je peux le faire en ouais, bah, vache. J'ai que d'améliorer en fait. Ah, ça, c'est la piste, elle est en train de sécher, je pense.
Oh là, c'était chaud ça. Encore amélioré. Voilà, encore 5 tours, c'est bon. Hein. Et Kent et Quartararo continuent à se battre pour la deuxième place. Bravo pour ta victoire, attends, je vais gagner encore. Je peux toujours faire une erreur, tomber, je sais pas. J'adore la confiance que tu places en moi. Oui, normalement je dois gagner, mais bon, c'est jamais hein. Gars, hop, gars, je fais n'importe quoi. De concentration. Non, je vais gagner. C'est sûr que je vais gagner. Il y a 2-12 quand même, 62. J'ai réussi à aller dans les 2-12 avec une petite erreur que j'ai fait tout à l'heure. En plus, je tourne de plus en plus vite, hein, c'est un truc de fou. Quasiment à chaque tour, j'améliore. Ah, là où que la piste est éclairée, enfin un peu plus éclairée, c'est là où qu'elle est, elle est moins humide, elle a séché à cause des motos qui circulent forcément. Et là où que c'est foncé, c'est que c'est encore humide. Du coup, c'est là qu'il faut prendre en fait, hein. C'est où que c'est éclair, il faut prendre les trajectoires pour aller plus vite possible. D'ailleurs on le voit hein, quand je touche les zones
les zones foncées là, c'est. On voit, il y a de la flotte. Des éclaboussures de flotte, tu vois tout le monde. Mais... je l'ai mérité, ouais, j'avoue que je me suis battu pour là. Pour revenir. J'étais en pole position et puis j'ai fait limp au départ. Et... j'ai fait un tout droit. Après, ah, je vais pas non plus faire le gars. Voilà, ça reste le mode facile et. Même si j'ai une moto de merde, ça reste le mode facile. On verra en mode normal ce que je fais. Je pense en mode normal, ça sera vraiment très intéressant. J'aime bien avoir les motos moins puissantes en fait. Ça, les motos ou les voitures. Surtout si j'arrive bien à piloter. C'est là qu'il y a du défi. C'est ça qui est beau. Comme avec la Renault en Formule 1. Ah, j'ai encore amélioré 212-412. Oh la vache. Que d'amélioration. Il y a 3 tours de l'arrivée. 3 tours entiers encore à faire, c'est bon. Par contre, je crois que le plus grand mystère dans cette course, c'est qui terminera deuxième, Quartararo ou Kent? Ça va être chaud. Moi, je mise sur Quartararo parce que j'ai l'impression qu'il y a une moto un peu plus puissante. Malgré que Kent, normalement, il a fait les meilleurs temps à chaque fois, mais bon. Quartararo, il a l'air un peu plus à l'aise. Pfff, j'ai explosé le score. Ah ouais, là, chaud. Ah, j'ai quand même gagné 5 dixièmes par rapport au tour précédent. C'est énorme. Ouais, je rattrape les derniers, c'est un truc de fou. Je rattrape les derniers! Carkent, lol. Tu n'avais pas le droit là. Franchement, t'avais pas le droit de faire ça. Je vais dépasser mes coéquipiers. Ouais, ça doit être mes coéquipiers, ça. Imaginez-vous. En Formule 1, je dépasse Palmer. Et en moto, je dépasse mes autres coéquipiers. C'est un truc de fou. En plus, ils sont tous les deux derniers, je crois, non? Je sais pas si c'est eux, en fait.
Ah, Binder! Ah, c'est celui que j'ai fait tomber! Il y roule encore! Oh, bien! Franchement, courageux! Courageux, le mec! C'est lui que j'ai fait tomber, Binder! Bougez! Ah, ouais, il est courageux! En plus, je crois que c'est mon coéquipier, ça! Hein. Putain, j'ai fait tomber mon coéquipier en fait! Mais je crois que c'est lui, hein. Je suis pas sûr, j'ai la doute, mais. Ah, je regarde mes coéquipiers, c'est qui, j'en peux plus. Tonucci. Et lui, je crois qu'il s'est mauvais. Et lui, je suis sûr. Danilo, c'est le français, ça, Danilo. Ouais, Tonucci, lui, c'est mon coéquipier. Lui, c'est sûr. Je sais pas si c'est Binder ou Guerrera en notre coéquipier. En tout cas, ils sont nuls, hein, ils sont dans les derniers. Fais gaffe! Comment ça, fais gaffe? Fais gaffe à quoi? En rattrapant les derniers? T'inquiète. C'est le dernier tour. Je gère le dernier tour. Toujours. Ah, par contre, je pensais pas rattraper les derniers dans cette course, franchement. C'est étonnant. Ça reste des motos 3 en général. Bah, c'est sûr, il y a des plus puissantes que d'autres, mais ça reste des motos qui se ressemblent quand même. Au niveau des performances. Allez, encore deux virages et c'est la victoire. Les derniers sont les plus dangereux, t'inquiète. Ah, ça va. En plus, c'était des partenaires, normalement, ça va. Allez, la ligne droite de la victoire. Eh oui, non! Oh, putain! Il y a bon! Il s'est tué à la fin, le con. La direction de la course va nous emmener au parc fermé pour la Oh, le gag final quoi, trop mais marrant. Regardons d'abord le classement final. Ah bah c'est Ken qui était deuxième finalement. Quartararo c'est le français en fait. Oh la vache. Masbou finit septième. Vasquez 4ème. Putain, Vasquez il a passé Oliveira. Oh, je vous ai dit qu'il était chaud Vasquez. Je suis tué en gars, je ringamelle. D'accord, c'est pas moi en fait, c'est le IA en fait qui a pénal. C'est l'IA qui s'est tué. Parce qu'après j'avais plus les commandes. Ah non, il y a deux Binder, il y a Darin Binder et Brad Binder. D'accord. En fait, c'est cette Brad Binder que je fais tomber. Oui, je sais, oui, t'inquiète, je sais que les Honda et KTM sont largement dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une grande différence par rapport, genre, en MotoGP, tu vois, entre la plus nulle MotoGP et la meilleure MotoGP. C'est ça que je veux dire, en fait. Dans les Moto 3, il y a quand même. Ah, il n'y a pas une grande différence. Il y a une différence, oui. Mais pas aussi énorme que ce qu'on se montre sur les motos. Bon ben voilà. Je voulais voir le ralenti là au début. Est-ce qu'il y a moyen de voir le ralenti? Je sais pas s'il y a moyen de voir en fait. Il y en a un que j'ai fait tomber, mais. Hey, Binder, il est là. Il y a pas moyen d'avoir une autre vue là.
non, mais ça c'est le dernier binder. Faut voir l'autre. Lui. Ah, c'est lui que j'ai fait tomber. Non? Ah, mais il est déjà tombé. Ah oui, il est déjà tombé. Attends, mais il y a pas moyen de revenir en arrière. Hein. Ah oui, c'est là, regardez, regardez, regardez. Alors, ce qui fait là. C'est moi qui fais là. Putain. Ouais, j'ai la Mahindra là, ouais. Enfin, ils m'ont donné la Mahindra en fait. C'est mode carrière en fait, ils m'ont donné. J'ai pas choisi. En fait, c'est moi qui a fait l'erreur. Hein. Parce que. Attendez. En fait, je crois que je prends trop large. Et c'est de revenir. Mais en fait, je vois pas machin. Je vois pas Binder en fait. Ah ouais, là déjà je suis gros, ça va. Je traîne trop tard et là. Ah oui, je le vois pas arriver. Ah ouais, du coup, c'est ma faute en même temps. Mais en même temps, je le vois pas. Ah, c'est pas grave. C'est un détail. Et le départ aussi, c'était what the fuck le départ. Je me croyais en Formule 1 et tout. Moi le départ, je croyais que en fait les feux ça c'est pas comme en formée là. Ouais, bien sûr qu'il y a une différence en KTM et Honda, j'en suis sûr, mais c'est sûr, sinon ils seraient pas tous devant. La preuve, Honda KTM, la première Mahindra à part moi elle est 16e, je le sais, c'est très bien que c'est des motos moins bonne. Ça s'arrête là. Et les trois derniers, c'est des Mahindra. Non, non, moi je suis bien en Mahindra là. Je suis très bien, mais je veux pas gagner facilement. Mais j'ai 29 secondes comme d'avance au deuxième. Oh non, mais je pense que je vais mettre en pro là parce que. En normal. TIA normal, je vais mettre. C'est facile. À chaque course terminée en carrière MotoGP 15, vous remporterez des crédits GP. Ils vous permettent d'acheter de nouvelles motos et livrer. D'accord. Acheter des motos? C'est-à-dire? Je peux acheter les motos en fait. C'était sans conteste une ouais, c'est une grande course. Bah ben voilà, première victoire. À mon avis, ça sera la seule victoire. Ouais, je suis un peu pessimiste, mais on verra bien. Pour le championnat du monde. Parce que si je monte le niveau, je sais pas comment ça va être après. On verra bien. Ah, c'est bon là, l'écurie elle saute de joie. Pour ton écurie personnelle, les motos. Voici les écuries voulant vous donner une chance pour la prochaine saison. Vous trouverez aussi des offres de sponsors, vous donnant ainsi la possibilité de courir avec votre propre écurie privée. D'accord. Ah ouais, je peux carrément changer direct. Non. Ah ouais, mais je veux pas changer, moi. Je veux rester en... Je veux rester comme ça, moi. Ah non, mais... Guevara. C'est ni quelque chose, Guevara. Ah si, il y a Honda, Antonelli et Danilo. Non mais ça c'est les motos les moins performantes de toute façon. Non mais je vais rester dans celle-là, c'est très bien. Je suis avec Binder et Tonucci. Ouais, donc c'est bien Binder que je suis avec. C'est pas celui que j'ai fait tomber, ça c'est l'autre Binder. Ouais mais par contre, il n'y a pas moyen de... Ouais mais je reste dans le... Bah, un truc là, ce serait bien.
À côté de l'ordinateur, il y a un cahier, va dessus. Ouais, je vais y aller. Message info. Ah, ça, j'avais déjà lu, je crois. Ok. Donc ça, c'est l'équipe, ok. Écurie privée, c'est ça? Ah, je peux pas aller sur écurie privée, c'est bizarre. Est-ce que je peux changer les options? Il n'y a pas moyen de changer le niveau de difficulté, c'est quoi le délire? Ah mais c'est pas ça putain. Le niveau faut lancer dès une course? Ah d'accord ok. C'est ça là, tu peux acheter des motos et avoir comme ça. Ah mais c'est bizarre, je peux pas mettre écurie privée pour l'instant. Calendrier. Oh! Prochain Grand Prix sera à Valence. Il est beaucoup plus court que Bernon. Ok. Manche 2. Bah, c'est où le... Faut faire démarrer la course carrément? Ah oui, effectivement, ouais. Ok. Ah bon, on verra ça une prochaine fois de toute façon. Enfin, je vais arrêter le live. Je vais arrêter la vidéo déjà. Donc, y aura je mettrai la rediff en HD plus tard. Mais le live sera déjà direct sur la chaîne. Celui qui veut voir tout le live. Donc voilà. Bref. Donc, merci à ceux qui sont venus sur le live. Et puis, on se retrouvera pour le Grand Prix de Valence sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, partez bien et à la prochaine. Ciao, ciao.